solidaire et puis une Europe de l'épanouissement, qu'il soit dans la mobilité, qu'il soit dans le travail, ou qu'il soit évidemment dans la culture. Voilà à peu près comment va se construire la campagne. Encore une fois, notre sujet, c'est nous sommes lucides sur les impasses politiques de cette Europe, mais c'est de la politique. Et donc, nous considérons que l'Europe est un espace de souveraineté immense à conquérir pour le bien de tous. N'oubliez pas le 25 mai. Eh bien, je vote l'Europe écologique. Oh, pour les gens,